here with Joseph Colan, and we're talking about his 2020s. Could you, Joseph, tu peux parler un peu de 2020 comme millésime dès le début, quoi? C'est un millésime extrêmement précoce, le plus précoce qu'on ait jamais rencontré. Moi-même, mon papa, mes grands-pères n'ont pas connu des millésimes aussi précoces. On a vendangé les premières parcelles sur Saint-Aubin le 15 août. Une année classique sur Saint-Aubin, on y arriverait plutôt autour du 10 septembre. Donc on est vraiment sur une année extrêmement précoce. Mais c'était aussi un souhait de notre part d'aller vendanger assez tôt pour avoir un millésime. Parce qu'on avait un état sanitaire dans les vignes qui était absolument parfait, des raisins qui étaient absolument magnifiques. Et le défi, c'est d'aller chercher l'équilibre parfait dans le fruit. Et l'équilibre parfait dans le fruit, il ne se fait sûrement pas dans la sous-maturité ni dans la sur-maturité. Donc il y a un moment où on sent des raisins qui sont mûrs, peu importe le degré alcoolique, mais des raisins qui sont mûrs, mais qui sont encore surtout acides, parce que l'acidité qu'on aura dans le raisin, c'est aussi l'équilibre qu'on va retrouver dans le vin. Donc on est allé chercher les Saint-Aubin premiers crus en Remilly le 15 août et on a fini les vendanges le 1er septembre. C'est un millésime assez exceptionnel par la qualité des vins, par la texture des vins. Il y a une énergie assez incroyable, mais le Chardonnay aime le soleil, pas dans l'excès, on pensait, mais en fait le Chardonnay aime le soleil même quand il y en a trop. Simplement après, c'est à nous d'aller choisir la bonne date de récolte. C'est un millésime incroyable et les vins ont une longueur folle, des acidités très marquées, tout en ayant des fruits suffisamment présents pour avoir une vraie chair dans le vin. Ça fait des vins très propres. C'est un très grand millésime, un très très grand. Peut-être le plus en grand. En degrés, ça fait quoi jusqu'au quoi? Les degrés les plus élevés, on est à 13,5 dans la cave et le plus faible, c'est la Ligotée qui a 12,2. Mais tout a été vendangé, c'est ça, entre 12,5 et 13,2. C'est en général ce qui correspond à une maturité normale et c'est là où aromatiquement, on a quelque chose d'équilibré. Merci, Joseph. Avec plaisir.